télescope photo Iris Explorer G11 de Iris Lab. Il comprend un appareil photo Canon, le G11, plus la bague Iris Explorer qui permet d'illuminer l'iris correctement. Et le petit boîtier de contrôle pour allumer les lumières à gauche ou à droite pour un éclairage latéral si besoin. Et un petit régulateur pour l'intensité de lumière si on veut le baisser, si c'est un petit peu trop intense pour un patient. Donc, on l'allume, on le place sur le mode préprogrammé pour l'iridologie, on le place sur le visage de la personne, sur le bouton déclencheur, on appuie à moitié, l'appareil fait les réglages. Dès que le réglage est correct, bon, il faut bien le placer sur l'iris de la personne, dès que c'est bon, on appuie sur la photo, sur le déclencheur, et la photo est prise. Donc ça prend quelques secondes sur chaque œil et les photos sont prises. Bon, passons à la partie pratique, comme ça vous voyez ce que ça donne quand on est vraiment en train de prendre une photo. Voici Tim, notre patient. Alors, on allume l'appareil, on le met sur le mode pré-programmé pour l'iridologie. On allume bien les lumières, on vérifie l'intensité. Voilà, très bien. Donc, Tim, est-ce que vous pouvez regarder juste derrière moi et cligner des yeux autant que vous voulez, et juste au moment où je vais prendre la photo, je vous dirai d'ouvrir bien les yeux. On place l'iris contre le visage, comme ça. Voilà, parfait. On va faire l'autre œil. Voilà. Est-ce que vous pouvez regarder un tout petit peu plus derrière moi? Voilà, super. Super. Donc voilà, donc comme vous voyez, c'est assez rapide et très simple à utiliser. Donc si vous avez des questions par rapport à l'utilisation ou autres questions par rapport à cet appareil-là, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.